T'as des projets dans la vie, toi ? Quoi ? Mis à part essayer de comprendre qui t'es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais tout le temps avec moi ? Bah dis tout de suite que je suis collant, c'est ça ? Alors non seulement t'es collant, mais en plus, vu que t'as exactement la même tronche que moi, je me demande si j'ai pas un peu des problèmes psychologiques. Ou alors tu serais une sorte de gardien. Bah c'est peut-être toi mon gardien en fait. Tu serais là pour me protéger de la veuve et de l'orphelin ? Non. Non, mais non. Non, je crois pas, non. Et pour répondre à ta première question, j'aimerais bien réaliser des films. Ah, je vois bien le genre. Mais j'ai rien... Avec des chevaliers, de l'amour et la romance, des combats et des vêtements, là. Et puis, il y aurait une femme qui serait déjà mariée, qui serait en train de tomber amoureuse d'un mec qui la protège. En fait, un peu comme un chevalier servant, comme Lancelot avec Guenièvre. Ouais, une sorte de Sigisbée. Ah, bah je connais pas ce personnage. Non, mais c'est pas un nom de personnage. C'est justement le nom qu'on donne au chevalier servant qui est chargé de surveiller ou de garder une dame qui est déjà mariée. Bah, ça fait quand même vachement nom de l'ancien temps, ton mot, là. C'est un mot qui vient d'italien, Cicisbeo. Et son étymologie, l'origine de sa construction, de sa forme, proviendrait en fait des onomatopées de bavardage. Donc des bruits qu'on entend pendant les bavardages, puisque le chevalier et la femme passaient une bonne partie de leur temps à discutailler. Et quel rapport avec le jardinage ? Ils faisaient la conversation. Bon, il existe aussi l'orthographe Sigisbé en français, mais c'est moins utilisé que Sigisbé. Mais les deux désignent bien un homme qui était officiellement chargé d'accompagner une dame mariée aux yeux de tous. Je crois que c'est surtout au XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que du fait de sa position très proche de cette femme, on pouvait imaginer qu'il se passait des petites choses. Ils faisaient de la balançoire ensemble. Ouais, on pourrait dire ça en plus, c'est vrai. Ils devenaient très proches, un peu comme des confidents. Et le terme Sigisbé sert aussi à parler d'un homme qui prend vraiment soin d'une dame, qui est tout le temps avec elle. Mais qui couche pas avec elle. Ça, c'est chaud. Comme dans la zone du friand. La friend zone. Mais c'est vrai que dans un autre sens, l'homme qui colle toujours la dame est d'une certaine manière friandelle. Et si elle s'appelle Isabelle, on peut dire qu'il est friandise à Belle. Non. Parce que tu vois, comme t'as dit qu'il est friandelle et qu'elle, elle s'appelle Isabelle, non. Et peut-être qu'elle est belle aussi. Et alors on peut dire que c'est sa friandise à Belle. Arrête. Le Sigisbé, c'est sa friandise à elle. Ouh ! Oh ! C'était quoi ça ? Ben, on est peut-être connectés, comme on est très intimes, on est souvent ensemble, alors il y en a forcément un qui est Sigisbé de l'autre. Toi, t'aimes bien bavarder avec moi ? Bah, c'est-à-dire que c'est bé...